Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Days Gone. Ouf, il va brûler ma moto lui. Donc là on doit aller à Lost Lake. Le souci c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde devant nous. Et oh. Et donc bah il faut qu'on se fraye un passage parmi tous ces mecs. Oh, t'es sérieux mec? Alors l'avantage c'est que dans la dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais on s'est rendu compte que le capitaine était totalement avec nous. Et il nous a passé du super matos. Par contre, s'il y a tout le temps des mecs comme ça sur ma route, ça va être très long. Là, j'ai à peine fait 50 mètres qu'on s'est retrouvé face à ces gars-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, ouais. Oh, des grenades. C'est bon ça. Bon, il y a quelque chose là-dedans. Bah heureusement qu'on peut faire le plein. Le plein là. Ok. Ok, ça on a. Ils pourront servir. Ok, bon moi je pense que ouais tout ça on a. Au niveau de l'essence, parce qu'il y a de l'essence là, je vais voir ma moto où est-ce que j'en suis. Ok. C'est réparable. Ça devrait le faire. Allez. Bon, en espérant qu'on va pas être arrêté quand même tous les 50 mètres comme là. Là. Bah, tant pis. Je vais tout faire péter. Mettre ça hein. Non ça devrait faire l'affaire. C'est pour ça qu'il y en avait. Ok, le tunnel est nettoyé, la milice s'en est chargée. Ouais. Merci ce qu'ils ont. Donc l'objectif c'est quand même d'aller sauver Boozer quoi. Donc on retourne à Lost Lake là. Ah!
Je m'occupais de lui là déjà. Si je campe. Moi aussi je te vois mec. Toi je t'ai entendu, t'es pas. T'es où là? Est-ce que t'es dans la tourelle là? J'ai entendu un gars par là moi. Ok. Excellent. Il n'y a plus personne ici? Oh, il y a du loot encore. Putain, tous les trucs, il y a du loot. Ah, du kérosène, oui! Ah oui! Faut ouvrir ça? Oh, un fusible, cool. Bien sûr. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça devrait être bon. Ah si c'est bon, pourquoi c'est pas bon? Je voudrais rentrer là-dedans, moi. Partout. Bon bah on est bien, hein. On est bien. Pourquoi il s'allume pas lui? C'est verrouillé. Pourquoi c'est verrouillé? J'ai mis un fusible ou je sais pas quoi là, donc pourquoi? Oh, kérosène et je l'ai pas vu. Ok, bon, je sais pas comment ça marche ce truc Nero là, bizarre. Hop là. Oh là 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 là. Ah, c'est elle que je dois pousser, ok. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de loot partout, partout, sur tous les camps que je fais là. Là, il doit y avoir des balles. Mmh.
tomber ma moto. Allez, on y va. C'est parti. Bowser, t'es là? Réponds. Bowser, réponds. Rick, ouais. Et posez-les là, putain. Elle a dit, emmène le blessé à l'intérieur. Bowser. Rick, on t'entend, le frangin. On aurait bien besoin de toi par ici. Emmenez-les à l'intérieur. Bouge, bordel, bouge. Merde, attention. J'arrive, Bowser. Je suis presque là. Schizo, Schizo, il est là, Bowser. Il vient pour toi. Allez, allez, allez. Bowser. Il va y avoir de la castagne. Hein. On arrive là. Je reconnais le pont. Ricky. Quand Lost Lake, répondez. Ricky, Iron Mike, à vous. Parle-moi, dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont là? Ok, on est arrivé. Hey, ils se retirent. Qui peut en retraite? On les tient, on les a eus. Où est-ce qu'ils ont? Quelqu'un a vu ce qu'ils ont? On a réussi. Tout juste, mon pote. Faites gaffe, ne laissez pas s'échapper. Tuez-les tous jusqu'au dernier. Putain, où est passé ce qu'ils ont? On est un paquet à le chercher, personne ne l'a vu. Eh, hey, venez, faut y aller. Vous en faites pas, on va le retrouver, cet enfoiré. Oh. Oh, dis-tu merci, te voilà. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? C'est Iron Mike, il a pris une balle. Hé, hey, espèce de tir au flanc, je passais voir si... si t'avais envie d'aller pêcher. On a un camp à nourrir. Sans ton aide. Ok, bien. C'est très bien. Je veux la rencontrer. Ça doit être... une fille extra bon. Que tu te donnes autant de mal comme mon Elisabeth. Ok, ok, ok. Tiens, Mike. Mike? Je veux que tu prennes non. ça. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Tiens, Mike, vas-y doucement. Je me suis trompé. Non. Non, non, non. Je sais qu'on peut y arriver, Mike. Quand tu seras de nouveau sur pied, tu verras, on va pouvoir. J'ai eu tort. Je sais pas comment vous dire ça, mais... Iron Mike est mort. Et il a voulu arrêter Schizo. Quand la milice s'est retirée, et vous connaissez Iron Mike. Il a essayé de le raisonner, mais... Ok.
La ferme ! La ferme ! C'est pas un éloge funèbre ! Iron Mike aurait pas voulu de ça ! On n'a pas le temps pour ça, parce que... Parce que les mecs qu'on a butés aujourd'hui... Il en reste encore plein ! Des tonnes ! Je suis allé dans leur camp. J'ai vu leur armée ! Quand ils reviendront ici, ils vous massacreront tous jusqu'au dernier. Du moins, ils essaieront. À moins qu'on frappe les premiers! Non. Hé! Hey, silence! Fermez-la! Écoutez-le! Iron Mike lui faisait confiance, alors vous devez lui faire confiance! Non, 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 désolé, tu sais quoi, je peux pas. Je suis pas Iron Mike, je suis un putain de drifter. C'est vrai? La route est là. Non, je veux pas me barrer, regarde-moi, écoute. Trouve Boozer et dis-lui de me rejoindre à ma cabane. Bon, j'ai trouvé ça dans un bunker de survivalistes. Attends, c'est... Ouais. Il nous faut un camion, un gros truc genre benne à ordures qu'on va remplir entièrement de... De nitrate d'ammonium. Ouais. On va le mélanger avec un peu moins de 400 litres de créosote. Un camion d'engrais piégé. C'est ça ton plan? Oh putain. La milice a transformé toute l'île en forteresse. Il y a des civils dans les grottes, il y a les travailleurs et ceux qui sont jugés inaptes à servir dans ce camp de survivants. Et tu as l'armurerie et la garnison qui sont à l'entrée principale. Si on frappe ici, on désorganise totalement la milice du colonel. On fait quoi pour ça? Allez, dans les grottes. C'est ce que le colonel appelle l'arche. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils vont pas buter tout le monde? Sarah et tous les autres? Rien du tout. Mais je pense que l'explosion va semer tellement le chaos qu'il... Je peux entrer, la retrouver et sortir avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Écoutez, il est plus seulement question de Sarah. Le colonel a déclaré la guerre à chacun de nous. Et il a toute une armée derrière lui. Iron Mike et les autres, ce sont que les premières victimes de cette guerre. Et elle s'annonce courte, à moins qu'on les frappe les premiers. J'ai pas dit que c'était un bon plan. Non, il est même plutôt merdique. T'es avec moi, frérot? Oh. Je veux pas louper ça. D'accord. Mais on n'y arrivera pas tout seul. Ok, d'accord. Si d'autres veulent nous suivre, envoyez-les. Envoyez-les à la porte sud. Parce que quand ça va péter, la milice enverra ses troupes à la porte principale. Ok, il nous faudra du matos. Vous êtes tarés. Bon bah, on a perdu Iron Mike. Bah, je le dis souvent, franchement, le scénario de ce jeu, il est quand même assez énorme. Bon, là, on a débloqué plein de trucs. Hein. Et on est de nouveau, du coup, à Lost Lake. Donc, on va aller... Tiens, on a un point de compétence. Où est-ce qu'on pourra le mettre? Vous donnez un peu d'endurance quand vous recevez des dégâts. Voilà, que bénéfice d'ailleurs et du cocktail de santé. Je vais mettre ça. Voilà. Bon. On va aller parler à qui? Alors, ça avance? Recule! Hé, hey, Dick. Hé, hey, c'est quoi, ça? Oh, demande-lui. Bon, un camion gros comme un char, c'est ça? Je me suis dit... Autant y aller franco. Bordel de merde! Ce truc est prêt? On va voir, Dick. Thank you.
Ok. Oh ouais. Il marche. Il n'y a plus qu'à remplir. Je sais où trouver du fertilisant. Je vous appelle quand je suis OP. Ok. Ok. Tu crois que... Alors, il faut qu'on trouve du fertilisant. Tu sais, leur vie d'avant. À 2 km. C'est comme. Comme des gens. Attendez, je vais pas me précipiter. Super fort. Le marchand déjà. Alors, salut. Comment ça va? Tout va comme tu veux, Blair. Je peux pas acheter des munitions? Ouais. Voilà, ça. Ok. Oh, ok. Oh, excellent choix. On va les prendre. Ça devrait faire l'affaire. Ok. Et voilà. Non. Ok. Salut. Les primes. Hey, Dick. Ah, Deacon St. John. Salut, Joe. Je te vends tout. Bien, jolie récolte. Ah, merci. Ok. Et la moto. Content de te voir, Dick. Ah, ça fait plaisir, mec. Ça, c'est un vrai camp. Tu cherches un truc en particulier? Lui fait le plein. Ok. Tu crois? Attends. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va voir si on peut des performances. Non. Non. On est que deux aussi, hein. Ah. Ok. Esthétique, on s'en fout. Ok. Reviens quand tu sauras ce que tu veux. Ça roule. Salut, mec. À la prochaine. Allez, j'ai deux bornes à faire. C'est quoi le plan? Je me dis qu'on devrait trouver tout le fertilisant qu'on veut à l'Iron Butte Ranch. L'Iron Butte Ranch? Ouais, enfin, c'est pas comme si Jesse et ses Reapers allaient en avoir besoin. En plus, c'était bien un club de golf avant, non? Ça veut dire qu'il doit y avoir un espace de maintenance avec des tondeuses et... Du fertilisant, putain, bien fait! Force, Mixie! Dès que la voie est libre, je t'appelle pour que Ricky et toi vous ameniez le camion. Ça marche, mon pote. Terminé. De vagabonds et d'assassins. Quitte-toi. Sérieux, les mecs, là? Dick, t'es là? Ouais, mais attends... Ouais, Ricky, je suis là. Je tenais à te dire, merci. Ah, d'rien, mais attends... Nous aider. C'était quoi ce mec en plein milieu de la route là? Désolé d'être arrivé trop tard. Je le vois! Quoi? Aïe! Vous êtes donc, qu'est-ce qu'on disait? Dis pas ça. Ah, j'ai vu des trucs là. On va l'arrêter. Cette ordure de schizo, on va l'arrêter, hein? Ok. Ouais, on va l'arrêter. Je voulais te dire que je suis désolé. Attends, je reviens. Pour Sarah, j'arrive pas à imaginer j'ai ce que ça va faire de loin que je l'ai vu. Hey, je l'ai pas perdu. On est en train de fabriquer une bombe géante, je te rappelle. En tout cas, on est content que tu sois là. Lost Lake a besoin de toi. Hey, Ricky. Oh! C'était pas sa faute. Kérosène. Ah, Iron Mike, je veux dire. Il essayait juste de... Merde. Juste de bien faire. Je sais. Terminé. Oh, on peut faire du molotov.
Dick. Oui. Reçois. C'est moi. Oh, Schizo. Tu manques pas de cran de m'appeler comme ça. Te voilà enfin, mon pote. Écoute, il faut que tu saches que j'ai essayé de les en empêcher, je te jure. De tirer sur Iron Mike, je veux dire. Et je voulais pas que ça se finisse comme ça. Capitaine, le colonel veut vous voir immédiatement. Ouais, ouais, dites-lui que j'arrive tout de suite. Capitaine. Capitaine, on grimpe vite les échelons quand on trahit à tour de bras. Toutes ces conneries d'armée, c'est que du cinéma, tu le sais très bien. Mais faut que tu m'écoutes, mon pote. Vas-y, parce que j'ai un mec à livrer, à délivrer, là. Cette bonne guerre, je voulais juste que tu saches. Écoute, quand Coury t'a aidé à t'évader, le colonel, il a pété un câble. Il a cru qu'elle était complice. Il est devenu complètement cinglé. Il s'en est pris au lieutenant Whittaker. Il allait la tuer. Dick, Dick. Ouais, je t'écoute. Mais je l'en ai empêché, Dick. Je te le jure. Je lui ai dit que le poison qu'elle fabrique, il peut servir à buter les mutants. Mais pas seulement. Je lui ai dit qu'il y avait peut-être un camp ennemi. Avec... Ça va aller. Tu vas te faire tuer dehors. On se connaît. Merde, j'aurais pas dû tromper. Quoi? Ouais, Lost Lake. Un campement? Oui. Il y a un campement? Mais oui, il est juste là. Où? Là, là. Où ça? Montre-moi, je vais y aller. Iron Mike. Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh merde! Oh merci! Merci! C'est surjoué quand on libère un mec comme ça. Ouais, allez, casse-toi! Merci du fond du cœur. Ouais, ouais, allez. Merci, merci. Mais de rien. Ouais, donne-leur mon nom. Deacon St. John, ils me connaissent. Alors continue à courir et évite les routes. Bon, on est reparti. Dick. Ouais. Reçois. Oh, Schizo. Tu manques pas de cran. Ah, ça recommence. Ok. Te voilà enfin, mon pote. Écoute, faut que tu saches que j'ai essayé de les en empêcher, je te jure. Et de tirer sur Iron Mike, je veux dire. Et je voulais pas que ça se finisse comme ça. Capitaine, le colonel veut vous voir immédiatement. Ouais, ouais, dites-lui que j'arrive tout de suite. Capitaine, on grimpe vite les échelons quand on trahit à tour de bras. Y'a des mecs, là. Ces conneries d'armée, c'est que du cinéma, tu le sais très bien. Mais faut que tu m'écoutes, mon pote. Je suis pas ton pote, Schizo. Des mecs. Cette bonne guerre, je voulais juste que tu saches. Écoute, quand Coury t'a aidé à t'évader, le colonel, il a pété un câble. Il a cru qu'elle était complice. Il est devenu complètement cinglé. Il s'en est pris au lieutenant Whittaker. Il allait la tuer. Dick, Dick. Ouais, je t'écoute. Mais je l'en ai empêché, Dick. Je te le jure. Je lui ai dit que le poison qu'elle fabrique, il peut servir à buter les mutants. Mais pas seulement. Je lui ai dit qu'il y avait peut-être un camp ennemi. Avec une seule arrivée d'eau. Et que si on foutait de l'acide dedans, ça pourrait régler pas mal de problèmes. Bref. Le colonel, il a aimé mon idée. Donc, il m'a mis en charge de l'arche. Il veut que j'en assure la sécurité. Et le cœur est sous mes ordres. Qu'est-ce que tu veux, Schizo? Je veux juste te prévenir, mon pote. Ils arrivent. Je peux rien faire pour l'éviter. Ils arrivent, et cette fois, le colonel amène toute la cavalerie. Bien. Qu'ils viennent. On n'a pas l'intention de bouger. Et cette fois, quand il se pointera, on sera prêt à le recevoir. Hé, hey, Dick. Capitaine, le colonel attend. Ouais, j'arrive, foutez-moi le camp. Hé, hey, Dick. Écoute, faut que j'y aille. Mais je dirai au lieutenant Whittaker que tu lui passes le bonjour. Capitaine Sarkowski, terminé. Va te faire foutre, Schizo. Quoi, il en reste un? J'ai pas brûlé les 6 là. Bon. Ah, j'ai raté. Bon, c'est pas possible ça. Sale bête. Cabot. Quoi? Oh oh oh. Ça y est.
Il y a une horde. Oh non, il y a une horde. Énorme. Aïe 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 aïe. Oh merde, non. C'est une horde, putain. Il faut que je libère la voie avant l'arrivée de Ricky. Elle va l'attirer vers nous, non. Hé, hey, Boozer. Dis à Ricky que ça va prendre un petit moment, parce que... Il y a une horde qui fait une pause déjeuner en plein sur notre chemin. Non. Une horde ? Tu veux que Ricky et moi on vienne te donner un coup de main ? Non, non. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais, bah d'accord. En plus, Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça ? Alors quoi, t'es pas censé... pas rester au camp, faire envoyer ton badge, donner des ordres, des trucs comme ça ? Allez, tu... Oh, je suis tombé. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non. Ah, c'est mort, j'ai déjà balancé tout. Je peux plus refaire. J'ai plus d'endurance. Ah, on va mourir. Ah, punaise. Je peux pas me soigner. Ouais, j'ai pas fait la moitié, j'ai plus de. Pas comment finir cette horde avec si peu de molotov. Attends. Je vais mourir, je vais mourir. Cours ! Ah ouais. Pas me soigner. Faut que je me soigne. Un cougar maintenant. Allez.
Et voilà. Non, je te prends pas un arbre, c'est pas le moment. Moi, je l'entends toujours autant. Hein. Alors, je voulais faire ça, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma moto, ah, j'ai raté ma moto. Ah bah c'est foutu. Ah c'est foutu. C'est raté. C'est raté. Je mets ma moto trop loin en fait. Il faut absolument que j'arrive à la à défoncer cette horde en fait, je pense. Bon. Ça va tenir. Comment je peux m'attaquer à cette horde? On a fait déjà deux tentatives qui ont été des échecs. Une horde, putain! Il faut que je libère la voie avant l'arrivée de Ricky. Ou elle va l'attirer vers nous, ou non! Hé, hey, Boozer! Dis à Ricky que ça va prendre un petit moment, parce que il y a une horde qui fait une pause déjeuner en plein sur notre chemin. Une horde? Tu veux que Ricky et moi, on vienne te donner un coup de main? Non, non! J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille. Donc on a. Ouais, bah d'accord. En plus. Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça? Alors quoi, t'es pas censé, je sais pas, rester au camp, faire voyer ton badge, donner des ordres, des trucs comme ça? Ah oui, tu viens de Mike, je... Non, enfin bref. Maintenant que Mike est là, je sais. Qu'est-ce que ça? Putain, ils sont juste là. Pourquoi ils sont sur moi comme ça? C'est ouf. Bon, on n'a pas brûlé grand chose. Oh, c'est mort là. C'est ça, jette un coup d'œil. Ah, ils sont tous là. Bonjour la famille. Oh là, on n'arrive à rien faire. C'est pas bon. On leur fait que dalle. Je suppose qu'ils vont savoir monter là. Rien, c'est horrible, c'est horrible parce qu'on leur fait vraiment pas grand chose quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restés là-bas ou bien? Ah, il y en a plein qui sont restés là. Non, ils sont pas là. Ok, il y en avait un petit peu mais pas des masses. Ça le fait pas. Je n'arrive pas à calmer cette horde là.
et surtout à la regrouper pour faire un max de dégâts. Et ça, c'est quand même sacrément problématique. Ouais, je l'ai fait un petit peu, mais c'est pas ouf. Hein. Plus beaucoup d'essence, donc on va essayer de trouver de l'essence. Allez, tout ce qu'il y a encore, c'est ouf. Ah, il y a de l'essence mais en plein milieu de la horde, d'accord. Bon, bah, ça va pas le faire, on va pas avoir le temps, du coup on est mal. Bon, on est mal tout simplement, on est très très mal. Je sais pas où je peux trouver de l'essence. Il va me dire que je quitte la mission. Je vais te donner une bonne raison de bugler. Il y a quoi ici? De l'essence. La horde n'a pas l'air de m'avoir suivi. Par contre, j'espère qu'il ne faut pas que je la recommence à zéro. Parce que je ne vois plus son. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Il y a du loot là. Toi, tu vas bien me servir. Pas de kérosène. Oh, le kérosène, c'est le nerf de la guerre. Hein. La ferraille. Je peux pas en faire. De ça, je peux en faire. Des trucs pour les attirer. Je peux en faire qu'un. J'ai pas de kérosène. Pas du kérosène, ça. J'ai cru en voir. Oui. Ah, on va pouvoir faire un petit peu de napalm.
en a qu'un. Malheureusement. Ah, il y a d'autres loot là. Ok. Ah, une station essence. Je me suis fait chier avec mon petit bidon alors qu'il y a une station. Ouais, pardon. Bon, on sait qu'on peut venir ici. Par contre, si la horde elle est redevenue. Non, c'est bon. La horde, on l'a bien explosée. Est-ce qu'elle s'est calmée? Ce serait bien qu'ils soient retournés dans leur trou en fait. J'en ai bien l'impression. Ouais, ils sont retournés dans leur trou. Donc. Bon, on l'a bien eu là. Donc on va la calmer. On va la laisser se calmer, cette horde. On va retourner looter peut-être même là-bas où il y avait les trucs là. Je vais aller voir dans les bâtiments là-bas s'il n'y a pas quelque chose. Si on pouvait trouver du kérosène. Je crois qu'il y a du kérosène ici. Non. Non. Bonbonne. Je peux pas en faire plus, c'est pénible. On va se refaire des pièges. Ah, il manque quoi? Des boîtes de conserve. Mince. Des boîtes de conserve. Airbag. Ok, vu. Bon, ça on a déjà. Et ça, bon bah non. On n'a pas de quoi faire du bruit, ça c'est dommage. Oh oh oh. Juste une boîte de conserve. Puis ça a un peu de bruit. Bon, où est-ce que j'ai laissé ma moto?
Et surtout, ok. Pourquoi j'ai été foutre ma moto là, moi? Ce qui n'est absolument pas pratique. Bon, par contre, je pense que c'est les derniers kérosène qu'on aura. Pourquoi j'ai été me foutre là-dedans? Allez, bon bah on refait un tour. J'espère qu'ils sont partis faire dodo là. Parce qu'on l'a bien eu au, je dirais, les trois quarts. Hein. Ah, il y a du kérosène là, ok. Est-ce qu'ils ont été se coucher? Auquel cas, je vais essayer d'aller chercher le kérosène. Ils ont l'air calmes. J'ai vu du kérosène, c'était ici, non? Non. C'était où? C'était pas là? Ah, c'était où? Boîte de conserve. Ça, c'est cool. J'aurais préféré le kérosène. Je vais voir s'il est pas par là. Il est là. Je vais me mettre prêt à partir. Je vais leur faire du bruit. J'ai plus que un napalm. On va leur refaire le coup avec du bruit.
Est-ce qu'elle est déjà calmée là? On va très vite le savoir. Pourquoi il s'attaque à moi? Alors essayer de finir. Ma moto, j'ai raté ma moto. Si. C'est bon, t'as rechargé, mec. Parce que là, t'as du monde quand même. Non, t'as pas rechargé. Ok, on court alors. Allez, barre-toi. Non. Ma moto est tombée ou quoi? Moi, on a quasiment tué cette horde. On va essayer de la finir comme ça. Hein. Si elle est un peu regroupée avec mon molotov, après j'essaie de les finir à la mitraillette. Hein. On n'a pas trop le choix là. Hein. Elle est quasiment morte cette horde, c'est pas possible. Pas mourir maintenant. Tu les as tous eus. Oh la vache. Ousmane, t'es là? C'est bon. La voie est libre. Tu peux dire à Ricky d'amener le camion. Bien sûr. Hey Dick, on a une surprise pour toi, mon pote. Oh. Wow. Génial. Wow. Bon. Oh. Je vous ai coupé tout ça hein, parce que je m'y suis repris à plusieurs fois, j'ai retourné vite fait là-bas. Et du coup, c'était vraiment très très long l'attaque de cette horde, mais on l'a enfin exterminée. Bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, vous me lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour la suite de cette mission. Salut tout le monde.